Zami telespektate, bonswa, non pa mse Yvenson Frank, bienvini nan telejounal aswaya, san pè di tan, men pi gwo pwen, nou wèl devlopè pou. Pigou point cap domine actualité à président République la Jovenel Moïse installé mercredi 28 mars là comité pilotage avec secrétariat technique pour organiser état généraux sectoriel nation 1 comité ça gain 6 mois pour émettre travail 54 arrestations 8 machines avec 3 motos confisquées 10 armes saisies avec 20 kilos marijuana. C'est bilan, opération la police réalisée sauti 15 février pour arriver journée jeudi, hein, selon porte-parole en après PNH là, inspecteur Gary Desrosiers. Journalistes yo marché en silence dans la rue Port-au-Prince mercredi 28 mars là pour demander lumière sous disparition journaliste photographe Vladimir Le Gagneur. Yo marche qui t'est commencé sous place Constitution hein, pour Albout devant paquet Port-au-Prince. Première dame République là, Martine Moïse, dans tête collée avec Fondation Clairé Haïti, lancé mercredi 28 mars là, yon concours pour atis différents catégories en Haïti. Actualité à Pilon et la Caille, environ 4000 militaires accompagnés, 500 policiers, l'ouvri mercredi 28 mars là, une opération pour établir sécurité dans Rio, pays Brésil. Ces points, ça y est, à pile l'autre, nous allons développer pour vous, pas débrancher, Naptonin. Merci pour fidélité et attention. On invite à suivre la rubrique Météo nous que Wilner Polidor a présenté. Salut à tous et à toutes. C'est un plaisir pour nous ensemble aujourd'hui encore pour prévision météorologique journée. T'es gagné l'appui hier soir et surtout au sud de Port-au-Prince. On a vu comment condition est pour aujourd'hui. Nous avons un fond froid qui trouve vraiment sous partie nord l'île d'Haïti et fond ça l'a dissipé au cours de journée. Même si sous région noire, il y a quelques nuages avec quelques activités rapides, mais zone de haute pression a renforcé au cours de journée. Et le fait que Mazéa est très sec en basse couche, pas gagné trop de possibilités pour une activité convective. Mais toutefois, sous région nord pays d'Haïti, il y a une possibilité pour gagner quelques averses, et surtout sous nord-nord-est avec nord-ouest, mais aussi pour Grenance avec sud. Mais pour tout respect, il y a assez beau temps. C'est un temps cap vraiment très beau avec en pile vent cap vanté sous majorité département yo Jean Noël là et vent ça la prend forcé au cours de demain et jusqu'à fin de semaine pour capitale avec zone qui environnée le son capitale cap jus de beau temps avec vent cap soufflé et vent ça la prend forcé aussi au cours de demain et après demain et nos températures jeudi a quitté monté jusqu'à 34 degrés Celsius et puis va la descendre c'est 22 degrés au cours de nuit là. Pour page maritime, non, c'est un mer qui est très agité sous côte sud pays d'Haïti, mais pour côte nord, c'est forte à très forte. C'est pour ça que je demande au capitaine d'embarcation précaution avec prudence, parce que la mer est très agitée jusqu'à forte sous région nord pays d'Haïti, et il faut que le capitaine d'embarcation suive l'autorité service maritime et navigation pays d'Haïti parce que la mer a agité avec à très forte sous côte nord pays d'Haïti et pour pas astronomique là sur la couché à soir à 7h02 minutes il a levé demain matin à 6h44 minutes. C'est tout ça dégain pour situation météorologique là. Merci pour fidélité avec attention. On va croiser demain pour une autre page météorologique. Gros chita palais en toute secteur, dans la nation avancée. Président République là, Jovenel Moïse, installé comité pilotage avec secrétariat technique pour organiser état généraux sectoriel nation 1, mercredi 28 mars 2018 là. D'après chef l'État, à partir journée mercredi, y a personnalité Sayo, il y a 6 mois pour y produire et puis remettre un pacte pour stabilité et progrès socio-économique. Reportage Sabine Jean-Étienne avec Jean-Naël Duvernay.
comité pilotage ça gagne la dan yon vingtaine membres qui sorti dans différents secteurs dans société a. Secrétariat technique là bon côté parle gagne une dizaine membres qui pral renforcer travail comité pilotage là. C'est un groupe personnalité connu dans domaine yo. Comité ça pral assurer bon déroulement état généraux sectoriel nation an, planifier une série dates important et puis valider une série choix stratégiques à travers différentes propositions qu'a fait yo. C'est un travail difficile, mais qui pas impossible. C'est le respect. C'est dans la mesure où la personne se sent respectée qu'elle peut donner sa confiance. Donc nous avons un immense travail à réaliser. Remettre la confiance au cœur de ce pays. Que nous puissions nous regarder, nous, haïtiens, haïtiennes, avec un regard de tendresse et d'amour. Nous sommes tous de la même famille, qui que nous soyons. Mais nous avons besoin, aujourd'hui plus que jamais, cette unité fondamentale pour pouvoir construire et faire sortir ce pays dans ce trou où il se trouve, parce que nous tous, nous sommes coupables. Dans l'occasion de la célébration première année dans notre pays, à 7 février qui s'est passé là, président Jovenel Moïse a déclaré année 2018 là, année pour commencer à exécuter tout projet clé administration l'a initié. Et spécialement projet Chita Palé à la ronde Badessa dans la nation. Pour pays à remembrer à tout niveau. Pour chef l'État, c'est une grosse action qui a posé dans le pays pendant le mandat. Une action d'après lui qui concerne tout le monde. Mesdames et messieurs, la finalité du nouveau pacte est de créer les conditions pour rendre possible des changements majeurs dans divers domaines couvrant les quatre grands secteurs d'activité. Politique, économique, sociale et culturelle. Les principaux domaines identifiés et qui feront chacun l'objet d'un atelier sont les suivants. La gouvernance politique, la gouvernance locale, la gouvernance économique, la gouvernance environnementale et aménagement du territoire, la gouvernance de l'espace public et médiatique, la gouvernance du système éducatif, la gouvernance du système de santé, l'identité culturelle et l'intégration sociale, l'ordre et la sécurité publique, la place d'Haïti sur la scène internationale. Nous en face à une grosse responsabilité. Nation a gardé nous. Je dis à nous pour une grosse décision. Une décision côté pays à cet en cours, je dis. Mercredi, ça, tout le monde fait pour nous garder problème ensemble. Ça a vrai dit. Le pays n'a pas d'élection pour le faire là-dedans. Oui, il faut qu'il y ait élection pour renouveler le monde qui est sous pouvoir dans le pays d'une manière démocratique. Oui, il faut que la justice travaille. Mais je dis à un gros problème. Vivre ensemble. Un gros problème pour nous dire qui ça nous d'accord sur lui ensemble, qui ça nous pas d'accord ensemble. Cloche la sonne pour que la voix de cette minorité bruyante cesse de s'imposer sur la majorité silencieuse. Un état généraux sectoriel national, c'est une étape importante dans l'établissement d'un pays démocratique. C'est ça qui permet tout le monde, toute classe sociale et politique, chita réfléchir sur la situation socio-économique, politique et environnementale pays pour aboutir à une seule solution côté tout le monde d'accord. Résultat, chita palé général Saad ou gen retombé positif sous pays pour plusieurs générations qui viennent. Séance plénière, bureau Sénat a organisé mardi 19 mars passé à côté sénateur Naoum Marcellus t'es malade qui était la cause bureau t'es metté en continuation organisée mardi 27 mars là côté sénateur t'es débattu sous séance 1er février hein. Côté assemblée t'es transféré dossier enquête sous dépense l'agent Petrocaribea dans coup supérieur des comptes à contentieux administratif. 14 sénateurs votés pour dire d'accord pour finir à séance 1er février. 5 sénateurs pas d'accord à qui ont abstention. Kounia, Sénat Bral commencé travail d'après président Sénat Joseph Lambert qui était dans le micro fait d'un confident avec Moïse Wilbridge. Après un pile tergiversation
après un peu le temps mort, qui était même dit qu'il créait un certain handicap en termes de fonctionnement pour l'Assemblée des sénateurs, nous avons choisi pour nous organiser une retraite. Et dans la retraite, ça, eh bien, entre nous-mêmes sénateurs, nous avons débattu de tout ça qui gagne à ouais avec bon fonctionnement Sénat, respect qui doit gagner tout à bureau que sénateur eux-mêmes t'ont voté et ben au mandat et faire en sorte que nous veillons le plus que possible à ce que pas gain aucun acte que nous poser qui contraire à la Constitution, aux lois de la République et plus particulièrement au règlement intérieur du Sénat. Et voilà, après la retraite là, nous fixons l'autre rencontre et nous fixons tous des périodes côté nous pour nous faire des séances statutaires. Fort malheureusement, nous connaissons la dernière fois dans table débat sur lui, un incident malheureux produit et nous te reprendre séance ça hier. Hier, eh bien, assembléen et sénateur yo tout tendance confondu, eh bien yo débat. Et après débat, eh bien, assemblée a accusé, on vote, et vote ça dit que yo d'accord avec rapport succinct là, qui était consacré vote sous résolution Petro-Caribéa par 14 votes pour, 5 contre et une abstention. Il y avait 21 sénateurs présents dans la salle. Eh bien, question ça pour moi-même, les consommer. Étant comité d'Ili. Et pendant que je dis, je tenu compte de ça qui doit régir le fonctionnement ou l'assemblée. Parce que à partir du moment qu'on majorité sénateur a adopté un acte, et puis pour que AXA, assemblée sénateur, de façon souveraine, on doit décider de retourner sur lui. Mais personne, sénateur, pas capable de faire un bureau retourner sous une décision qui est acceptée par la majorité des sénateurs. Dès lors, la logique de la majorité qui peut décider sur un acte quelconque qu'a posé au niveau législatif est une étape nulle et à n'importe quel moment, nous avons droit de décider pour nous dire, eh bien, loi qui était votée en 2007, loi qui était votée en 2012, eh bien, loi ça n'est pas en vigueur encore parce que purement et simplement, un groupe de sénateurs qui choisit eux-mêmes délibérément pour dire pas d'accord avec. Moi crois que c'est ça qui je veux dire plus important pour nous et nous arrivons en phase où Sénat recommencer à rejoindre fonctionnement d'entendre et lundi on aura une conférence des présidents et conférence des présidents pour le mois d'avril et au cours de cette conférence des présidents on a une opportunité pour nous non seulement arrêter l'agenda législatif pour moi, mais en même temps, tout prend toutes mesures que nous estimons que nous sommes capables de prendre et que la conférence des présidents a avalisé moi-même en tant que président Sénat et bureau pour faciliter et permettre un fonctionnement régulier et efficace du Sénat. Dossier sécurité, la police a arrêté 54 monde, confisqué 8 machines, saisi 3 motos, 10 armes, 20 kilos marijuana. C'est bilan opération PNH là réalisé. Sorti 15 février pour arriver jeudi 1. Porte-parole en après PNH là présenté mercredi 28 mars là. Inspecteur Gary Desrosiers fait qu'on a gain avis recherche qui mettait derrière une série bandits qui est spécialisé yo nan kidnapper monde cap sorti pays l'étranger ak moun qui sorti la banque. Gary Desrosiers annoncé arrestation France Montbrun qui c'est un dealer drogue qui était basé dans département Sud pays. Yon extrait dans micro Anne Marguerite Auguste ak Michel Joseph. Gagné 54 monde qui arrêté parmi yo 3 femmes, 8 véhicules confisqués. Il y a 3 motos qui confisquées, 10 armes à feu saisies, 20 kilos de marijuana saisies. N'a noté que une grosse opération que DCPJ a menée via BLTS dans le sud, il a arrêté France Montbrun qui continue que les boss Franky. Monsieur Seyou un gros narcotrafiquant qui gagne dans la zone sud là que DCPJ a recherché depuis 2005. Lors de l'opération, BLTS possédait arrestation. Le 15 mars 2018,
DCPJ a interpellé Batraville car l'arrêt pour l'enquête justement qu'il ouvrit sur l'assassinat qui était fait sur l'inspecteur de police Gilbert Paul. Nous songeons à l'assassinat qui était fait à Delma 19 le 16 février 2018. Le 23 mars 2018, DCPJ arrêté Ricardo Prophète Junior Octina qui continue à créer les Toutou ou Caro. N'a pas noté que Junior Octina était arrêté déjà par la DCPJ pour en 2017 pour vol à main armée. Deux monsieur ça yo spécialisé yo dans vol à main armée, dans attaque justement qui était faite sur plusieurs monde qui a sorti à l'aéroport, qui sorti à l'étranger, et moun sa yo qui est plusieurs là-dedans mouri, dont Lionel Malbranche, côté que il était assassiné le 4 décembre 2017. N'a pas noté que monsieur sont ressortis américains liés. Le 1er mars 2018, monsieur sa a été attaqué et tué Woodley Darzulout. Ça a été fait le 1er mars à Delma et 3. Gagne tout madame Clausienne petit frère côté que il était assassiné dame ça devant porte la caillie pendant que il sorti en voyage le 18 mars 2018. Alors deux monsieur ça qui n'a pas la télévision n'a pas là sur écran nous monsieur ça justement fait partie de gang ça et nous la donne est arrêté par la DCPJ. N'a tout lancé tout en vidéo recherche toujours dans même quatre dossiers ça contre Charles James, infraction reprochée, assassinat, vol à main armée, association de malfaiteurs. À vue de recherche, le CVJ a recherché activement Jean-Claude Capitaine, infraction reprochée, assassinat, vol à main armée, association de malfaiteurs, toujours dans quatre dossiers, monde qui est victime, monde qui saute la banque, surtout zone métropolitaine, parce qu'il implique là dans tout. Et puis, moun qui sorti en voyage. N'a pas gardé justement, et valisa que nous voyons, c'est justement du moun qui victime, et gagne parfum, gagne justement, lors de l'opération que nous fait, et j'en nous dire le 23 mars, nous joignons deux pistolets de calibre 9 mm, nommés deux monsieur Zao, que nous voyons sous écran noir, avec plusieurs cartouches. Gagne en total 15 moun. Qui est victime de réseau Sayo. Alors, pour raison de sécurité, nous ne pouvons pas citer nos noms, mais l'islam est vraiment longue. Et encore une fois, nous demandons des populations hein, pour aider nous, justement, joindre deux mouns Sayo que nous lancer avis de recherche derrière qui impliquaient justement dans le cas de braquage et que plusieurs mouns qui sont victimes de eux. L'autre dossier dans le journal là, c'est Nathalie Niplan, Francenet Denius remet mercredi 28 mars là un chèque qui est évalué à 1 million gouttes by magistrat principal commune Thierry-Rivière Niplan, Céreste reste cadet qui c'est tout vice-président association magistrat département ça. D'après sénateur Denius, ses contributions pâles à population Niplan pour période fête Pâques là. Un extrait dans micro Colo Elisère avec Moïse Wilbridge. Tout 11 magistrats, ils ont recevoir une partie dans le chèque ça. Mais en dans le département, toute commune n'a pas gagné même fait rara pas gagné même ampleur. C'est ça qui fait selon ampleur activité rara, et ben il y a capable de faire une distribution et à chaque magistrat. Mais tout magistrat dans toute commune a recevoir une participation et certaines sections a recevoir tout une participation. Ça et 1 million de gouttes, ce n'est pas rien, mais symboliquement, nous faisons pour nous montrer et pour nous dire, eh bien, l'État, que c'est merveilleux. Mais avec magistrat Ceres là, il saute passer dans l'intérieur, il passe dans la culture, là, avec magistrat la Valéa, eh bien, jusqu'à présent, même une goutte, il n'y a pas rejoindre pour activité ça. Alors que, il y a de l'autre autorité, dont moi-même, qui recevoir déjà moyen pour faire ça. Devant et publiquement, remettre magistrat chèque de 1 million de gouttes que Libral est capable de distribuer et participer avec l'autre magistrat pour activité.
Magistrat commune Thierry Vianiplan, c'est reste cadet qui recevoit chèque la remercier sénateur Franceneige cadet pour geste là, li profiter mandé l'autre Elio mettait tête yo ensemble pour travail dans développement en commune yo. Yo extrait dans micro Colo Elizer ak Moïse Wilbridge. Le plus souvent c'est pas le fait que gros crob mais c'est façon crob la bail là et avec qui sentiment que crob la bail là. Parce que nous c'est 11 communes. 11 communes magistrat va le sentir on ti gens connaît que sénateur pense avec. Il pas pral faire grand chose mais ou pral chita avec toute collectivité à Kazek tout monde pral garder 1 million de goud qui s'en a favel ensemble. Comme lui doit faire son nom yon moun. Et c'est ça qui fait que m'accepter que le fait son nom. Mais li pral distribuer avec toute collectivité a pour que samedi pour que chaque moun ti part qui revient à l'IA, li met se on bon rara, li met se on galon clairé on kabay arara ça moi crois que c'est un geste qui très apprécié. Jean Noté Dolly, c'est magistrat commune Thierry Vianiplan, CRS Cadet, qui recevoit chèque là. Il remercie sénateur François Denius pour geste là. Sous initiative plusieurs associations journalistes, yon marche réalisé mercredi 28 mars là dans Port-au-Prince pour demander bonjour enquête sous disparition journaliste photographe Vladimir Le Gagneur. Maïssa qui t'est commencé devant Place Constitution, t'est fini devant paquet Port-au-Prince. C'est l'occasion pour journalistes demander pour société à accompagner yo n'en permettre yo joindre information sous disparition journaliste là. John Herbie Kaseyu Sakari Robert Chéri t'est présent, y a dit nous qui j'en satay à travers un reportage. Si nous pas paraître, c'est nous toutes cap disparaître. Nous demander la justice pour verger le dossier ça. Vladimir Kotoyi, c'est quelques paroles où t'es capable d'identifier sous pas quatre journalistes yo, en signe de protestation sous dossier disparition confrère Vladimir Le Gagneur. Vladimir Le Gagneur quitte la Cali depuis 14 mars 2018 pour aller faire un reportage dans zone Grand Ravine. Depuis date ça, il peut que j'aime faire signe de vie selon madame journaliste là. Journaliste yo mandé responsable justice avec la police nationale d'Haïti mener enquête pour joindre trace journaliste là. Disparition Vladimir là. Lage nous en boulacha. Nous besoin lumière. Nous devons connaître la vérité sur ce qui passe, collègues, nous en Grand Ravine 15 mars passé. DCPJ, fais-nous honte fois ça. DCPJ, fais-nous honte fois ça. Jean Saté prévoit, après match là, Madame Vladimir Le Gagneur dépose plainte dans le paquet Port-au-Prince. Jeune dame là, souhaite autorité concernée, tendez voir famille journaliste là. Autorité obligée font bagaille pour que yo éclaircisse disparition Marie parce que m'pas capable encore yo obligé tout bagaille. Vladimir Le Gagneur, c'est un journaliste photographe qui a passé passer 5 années dans métier. Il était travaille dans média en ligne Loops News, Haiti News 2000 avec Journal Le Matin. Porte-parole en après PNH là fait qu'on est direction centrale police judiciaire déjà saisi plainte madame photo journaliste Vladimir Le Gagneur déposé dans DCPJ. Gary Desrosiers dit yo déjà l'ouvrir yon enquête pour arriver faire lumière sous dossier disparition journaliste là. Yon extrait dans micro Anne-Marguerite Auguste. On a dit au niveau de la direction centrale de la police judiciaire effectivement nous saisi de plainte madame là. Et automatiquement que nous saisissons des plaintes là, enquête là été ouvrie. Et nous avons pile d'informations que nous disposons, que nous gardons nous justement pour que nous popularisions pour le moment, parce qu'il est capable de nuire à enquête là. Et nous avons dit que nous avons une belle avance que nous avons fait actuellement là, pendant que nous n'avons pas la volant. Et actuellement, policiers nous sur le terrain pour nous capables de faire lumière de Kassa, côté que jusqu'à présent, famine. Confrères, dans la presse, pour que j'aime capable de gagner une nouvelle de journaliste, de jeune journaliste, côté que pratiquement société. Hein. Et avec la presse, en synergie justement, pour y demander justement pour que journaliste tourne la caille et pour tout le monde capable de et DCBJ, encore une fois, enquête là pas se poursuit, mais pas dans tiroir, et enquête yo pas jamais se poursuit ici. L'aime dire qu'elle se poursuit, c'est justement jargon qui est censé que la presse toujours utiliser. L'enquête a se poursuit parmi les résultats. Il y a un pile d'efforts qui fait dans ce sens-là.
et nous avons encore garanti que nous avons fait lumière sur le cas ça, spécialement, côté que nous avons une considération spéciale et tout notre cas justement que le DCPJTTE toujours bien des considérations spéciales. Mais son cas justement qui m'a dit justement pile intelligence, en pile technique pour que nous soyons capables d'arriver justement faire lumière sur ça et pour la société et dans le jour qui vient, ou du moins pour mon portant, la presse a pour courant de enquête là et la pour courant justement de ça que nous joignons en termes de résultats. Mais nous avons plusieurs informations, mais nous ne sommes pas capables justement de diffuser eux, rendre public pour le moment. Nous allons observer une pause publicité dans le journal là, nous retournons dans un petit moment. L'émission. Le 27 mars là, dans le palais national. Dans l'occasion, un commandant en chef par intérim Force l'armée d'Haïti, lieutenant-général Jodel Lesage, présenté officiellement par le président de la République, là, Jovenel Moïse, 6 membres qui formaient au état-major. L'installation ça fait suite à des arrêtés présidentiels qui étaient publiés dans date 16 à 17 novembre passé. À côté chef l'État, est rétabli Force l'armée d'Haïti et puis nommé yon commandant en chef qui était gagné mission pour créer ro état-major. Reportage Sabine Jean-Étienne et Jean-Naël Duvernay. Environ 4 mois après président républicain Jovenel Moïse te prend décision pour rétablir force l'armée d'Haïti et puis nommer un commandant en chef nouvelle force l'armée a commencé à prendre jarret. Installation ro état-major journée mardi, c'est un nouveau pas important qui franchit dans processus retour l'armée d'Haïti. Il y a là-dedans 6 membres. Colonel Sadrak Saint-Il, général de brigade, chef état-major général. Colonel Jonas Jean, inspecteur général. Colonel Jean-Robert Gabriel, assistant chef d'état-major G1-G3. Colonel Derby Guerrier, assistant chef d'état-major G2-G4. Colonel Joseph Jacques Thomas, secrétaire état-major général. Et puis Colonel Fontaine Beaubien, membre état-major personnel commandant en chef là. Ces dispositions qui sont en tout point conforme à la Constitution, illustre éloquemment votre engagement, Monsieur le Président, ainsi que votre ferme volonté d'appliquer notre charte fondamentale qui dispose en son article 263, et je lis, la force publique se compose de deux corps distincts, les forces armées d'Haïti et la police nationale d'Haïti. Outre la dissuasion qui est la mission naturelle de toute armée, les forces armées d'Haïti à travers ses corps et services spécialisés sont aujourd'hui un puissant outil dans la gestion des risques et des désastres pour un pays exposé en permanence aux catastrophes naturelles parce que situé sur la route des cyclones et traversé de part et d'autre par des failles qui ont causé le tremblement de terre du 12 janvier 2010, dont beaucoup d'entre nous ont en mémoire les ravages. Depuis la période de campagne électorale, la position du président Jovenel Moïse était toujours claire sous question de rétablissement de l'armée. Elle expliquait un pays doit une force militaire pour défendre différentes voies qui ont accès au territoire, pour participer dans le travail infrastructure et puis pour porter secours dans un moment de catastrophe naturelle, pour ne citer ça seulement. Chef l'État a dit qu'il a engagé pour mettre sous pied toute institution la loi prévoit pour gagner dans le pays. Pendant le fait quelques recommandations à nouveau membre état-major. Je me suis engagé à doter le pays de toutes les institutions prévues par la Constitution en vue du fonctionnement harmonieux de l'appareil d'État. En particulier, le Conseil électoral permanent. Je veux vous dire ma profonde reconnaissance ainsi que celle du peuple haïtien. La tâche qui vous attend est écrasante. Vous n'aurez pas de répit. Vous avez la responsabilité de bâtir cette école de civisme, de patriotisme et de dépassement de soi. Vous insisterez sur la formation et l'entraînement comme vecteur de discipline. N'oubliez pas que sans la discipline, l'armée est une gangrène qui peut envahir le corps social. Sachez tirer les leçons du passé pour réussir le présent et permettre à la nation de gager l'avenir
avec sérénité et confiance. Vous aurez tout le support nécessaire pour accomplir votre mission dans les limites des moyens de la République. Cérémonie ça a déroulé en présence Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine, président de Chambre en Parlement, président Cour cassation et représentant corps diplomatique là. Dossier santé, ministre santé publique à population accompagnée ambassadeur américain en Haïti, lancé mercredi 28 mars là, réseau national transport échantillon. Cérémonie en déroulée en présence plusieurs techniciens à cadre dans secteur santé à chercher épidémiologie. Dans l'occasion, ministre santé publique la docteur Marie Gritaroy Clément remet responsable laboratoire national santé publique là plusieurs matériels pour transporter échantillons épidémie tant coup moto machine avec matériel secou directeur direction épidémiologie laboratoire à recherche docteur Patrick Deli montrer importance surveillance épidémiologique gagnée dans secteur médical là. Docteur Deli remercie responsable qui baille matériel sayo, lui dit qui bral utile, youpou baille réponse directe à quelques maladies épidémiques, ça cap contribuer en même temps dans amélioration système santé pays. Yon extrait dans micro Falan Delphin avec Michel Joseph. Surveillance épidémiologique là, c'est un bagaille qui fondamental. Le dino c'est l'information pour l'action. Ça veut dire quel que soit problème qui gagne, quel que soit une nouvelle pathologie que vous détectez, il est important qu'on ait des gens souterrains qui identifient les pathologies et puis pour qui dit mais qui s'allie et puis pour voir si il y a l'autre monde qui est affecté et puis pour prendre des mesures pour empêcher que l'autre monde ait des problèmes. Mais et surveillance ça, il n'y a pas qu'à marcher pour contre lui, il n'y a pas un laboratoire qui bien équipé cap supporter. C'est ça que fait pour nous aujourd'hui, ça que passe là c'est un bagage qui est fondamental parce que ça permet les nous détecter un cas que nous généralement dans le langage épidémiologie nous les cas suspects de une maladie nous à partir de symptômes cliniques que nous n'est capable présenter. Maintenant nous avons un système qui a permet nous prendre spécimen cas suspect ça et puis nous acheminer vers le laboratoire et puis pour diagnostic la fait dans le plus bref délai. Ça permet au ministère de la Santé publique d'avoir une réponse à toute pathologie nouvelle ou bien à une épidémie plus rapide. Et là, c'est améliorer, si vous voulez, le système de santé. Ambassadeur américain accrédité en Haïti, Michel Jeanne Sison, dit réseau Sabral servi pour aider dans la recherche et traitement dans le domaine de la santé. Il y a un moyen en plus pour la population, il y a l'autre qualité service. Il y a un extrait dans le micro Falande Delphin avec Michel Joseph. Cette partenariat, cette collaboration est très étroit ici au laboratoire. Vous voyez l'équipe. Avec ces nouveaux motos, avec ce système du transport rapide des échantillons au labo, va aider beaucoup dans le traitement et avec la recherche, pas uniquement à propos des maladies prioritaires comme le VIH-Sida, mais aussi avec le tuberculose et le choléra, et d'autres maladies prioritaires. Alors, je voudrais souligner que ce partenariat entre les États-Unis par voie de notre Center for Disease Control, notre PEPFAR, notre agence pour l'assistance bilatérale, l'USAID, contribue, j'espère, dans une manière très fructueuse avec le MSPP et le laboratoire d'Haïti. New England Human Rights Organization organisé mercredi 28 mars là une cérémonie remise plaque honneur et mérite by plusieurs personnalités dans pays là parmi eux Odette Trois Fombrun, monseigneur Guy Porla, révérend pasteur Sylvain Exantus, docteur Michel Archange Payan, Anthony Dessous, Anthony Pascal, Marie-Hélène Gilles avec journal Le Nouvelliste. D'après responsable Neroyo, activité ça a pour objectif s'allier engagement, l'amour avec contribution personnalité culturelle, intellectuelle et sociale ça y a bail pour construire société haïtienne là. Un extrait dans micro TNH. À un moment
où les valeurs morales, sociales, humaines s'effritent dangereusement dans ce pays, où la vulgarité, l'indécence, l'immoralité, la corruption tendent à se banaliser pour attaquer sévèrement la famille et l'intégrité de la société. À un moment où la notion de patriotisme a perdu toute résonance dans l'esprit de certains Haïtiens, il est réconfortant de vous voir ici assemblés dans la seule détermination à redresser la barque nationale menacée par certains de ses fils dénaturés. La New England Human Rights Organization est venue ici pour réaffirmer sa volonté et sa foi dans les valeurs culturelles, intellectuelles et morales qui, dans le passé, ont fait la renommée et la grandeur d'Haïti. Mesdames, Messieurs les récipiendaires, distingués invités, c'est au nom du peuple haïtien et les autorités de l'État de Massachusetts que la New England Human Rights Organization va remettre à cet échantillon de fils et filles dignes de la nation ses plaques d'honneur et ses proclamations en reconnaissance de leur abnégation, leur engagement, leur amour et leur contribution à l'édification d'une société solidaire, juste et morale. Mairie Port-au-Prince à Cap-Martin-Lio organisé 5 jours formation en faveur plusieurs personnels protection civile. Notre objectif pour yo ka pi compétent dans service y a bay population hein. Dans occasion hein, yo organisé yon séance simulation dans l'école municipale Saint-Martin dans l'idée pour apprendre yo comment pour sauver yon vie les gain catastrophe. Personnel sa yo promet yo bral simaye sa yo apprendre nan tout patou pour réduire quantité victimes qui connaient les gain catastrophe yon extrait. Et du fait que nous prenons formation ça et nous pas gain mot pour nous dire katel la merci et grand retombé nous pral gain c'est sous population population mais reste ça dit l'talère nous gain pour nous agir dans l'école yo apprendre ti moun yo c'est pas faire simulation mais c'est apprendre yo pour yo capable gérer l'école yo gérer la caillou gérer voisin yo gérer famille yo donc nous pral aller dans l'église yo tout faut nous apprendre l'église yo en dans communauté yo pour l'église yo apprendre l'autre monde comment pour sauver tête yo. Même gens tout nous praler dans institution protection civile qui gagne dans localité yo dans section communale yo dans zone côté qui très reculé yo pour nous apprendre yo comment pour sauver vie avec bien dans communauté yo. Après formation ça qui ça nous compte faire après formation ça nous pral mettre nous en équipe équipe pour nous al former l'autre monde nous pral former des catégories même gens yo former 5 modules nous pral prendre 5 modules ça nous faire 5 catégories pour nous former monde. Donc chaque nous chaque cas pral font équipe à partir de équipe ça nous pral ajouter pour nous marcher by moon tant que les n'a prêcher l'évangile nous pral prêcher protection civile là. Archidiocèse Port-au-Prince à Paris pour organiser chemin croix vendredi saint dans Port-au-Prince Delma à nan Carrefour qui est paroisse cathédrale Port-au-Prince là révérend Peggy Crispin expliquer déroulement événement spirituel ça démarrer à 6h30 dans matin. Il y a sorti sous place canapé vert pour bout sous place Toussaint l'ouverture sous champ de masse pour Delma possession a commencé dans l'église Saint-Martin Delma 5 pour bout dans l'église Altagrace Delma 44 pour Cafou possession a démarré dans Marine Haïtienne pour bout dans centre sportif Cafou chemin croix a déroulé Anessa sous thème avec Marie en rentrée dans un combat Christ là pour nous porter la victoire. Peggy Crispin, t'es dans le micro d'Aline de Rival avec Henri Robert Chéri. Anessa a gagné, comme l'an dernier, a gagné trois grands mouvements comme ça. A gagné un mouvement sous Delma,
Donc il y a un gros possession tout qui a sorti dans l'église Saint-Martin et puis qui a monté à Altagrasse. Ça c'est pour zone Delma. Et pour zone Carrefour, il a sorti dans la marine haïtienne et pour y aller jouer et dans le centre sportif. Donc nous-mêmes, nous avons sorti dans la place Canapé Vert et pour aller sur la place Toussaint. Alors normalement, c'est tout parcours là, donc nous avons pris Canapé Vert, nous avons pris l'École République des États-Unis. Et nous avons pris l'angle Alex Roy et Bois Patate. Nous avons pris le bord Téléco et Pomorin. Et nous avons pris la pompe gaz qui entre la rue et Alex Roy. Et alors, c'est, les 14 stations, c'est comme ça la bagarre, mais le chemin, c'est Canapé Vert, descend net. Et puis pour nous prendre Alex Roy, aller juste sous la rue descend net. Bon, puis il y a une maquette et puis pour aller sur Ocean Mass. Alors, comme on a parlé avec mon confrère, le quartier général, nous avons fait 13e station là, on a demandé permission, parce que l'État dans le pays est dans la place là, qu'on est là, donc on a demandé permission dans la zone là. Allez, ça, thème nous prend pour chemin de la croix, pour nous réfléchir, c'est avec Marie. On nous rentre dans le combat Christ là pour nous porter la victoire, même genre avec lui. Kyrie paroisse Notre-Dame Immaculée Conception, Père Franzi Petit Homme, mandé mairie dans la zone métropolitaine Port-au-Prince, nettoyer la RIA. Il y a une façon pour chemin croix dérouler sans difficulté. Père Franzi Petit Homme, Ténamico d'Aline de Rival avec Henri Robert Chéry. Nous t'arrivons. Jour vendredi saint pour la rue Port-au-Prince ta propre. Il y a fatra tout côté malheureusement nous connaît que mairie fait un bel effort avec SMCLS pour capable et retirer fatra par au prince mais t'as même pour qu'on tire effort qui fait en plus pour que jour vendredi saint sous différents parcours que ce soit de Saint-Martin dans Delma 5 pour arriver à Altagrasse que ce soit devant Marina Ciel pour arriver dans le centre sportif que ce soit place Canapé Vert pour y vivre en passant par la nuit, nous t'a souhaité pour mairie faire un petit effort pour nettoyer pour tout près jour de dessert et pourquoi pas pendant le week-end au parc là. Des gens qui pensaient que le fait qu'il a nous intéressé l'État, c'est la Noël, parce que c'est la Noël qui gagne non seulement et des décorations de Noël, fait effort de propreté, mais le fait parc là est aussi important que le fait Noël là. Donc nous t'a souhaité que la ville là est propre. Nous avons souhaité également que le comportement soit amélioré. Parce que autrefois, lorsque tu gagnais de grands rassemblements sous forme de procession, non seulement chaque monde t'a fait effort pour propter devant la caillou. Hein? Deuxièmement, tu as senti un sentiment de respect qui gagnait dans la rue lorsque le monde a la prière. Donc nous avons animé pour que l'effort soit fait, pour que le monde ne pas rentré avec motocyclette. Pendant que parcours la fête, pour ne pas essayer à klaxonner, essayer de passer à machine, pendant que Mounio a venu pour la prière. C'est peut-être ça, présence la police fondamentale pour nous, pour capable sécuriser parcours. Là. Que ce soit parcours qui sous Carrefour, sous Delma et sous centre-ville. Là. Nous allons observer l'autre pause dans le journal là, pas débranché, Naptonet. Actualité à Piloin Lakay, presque 4000 militaires accompagnés, 500 policiers tombent en opération pour établir sécurité dans Rio, pays Brésil, mercredi 28 mars. Opération ça, Tadoué aboutit à l'arrestation trafiquant drogue. En suivant. C'est 3400 militaires avec 500 policiers, sans contrôler machines blindées, menant une opération dans Rio, dans l'idée pour mettre main sur trafiquant drogue. Il y a d'autres opérations tombent tout dans la prison Bangou 3. Nos objectifs pour chercher toutes armes cachées. Décision pour faire opération s'apprend depuis commencement mois février passé, dans demain jour carnaval Rio, par commandement sécurité l'armée. Presque 1,5 million de touristes ont participé dans fait ça, qui ont subi en pile agression avec vol.
Dans le pays Brésil, groupe électoral ancien président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva Sibi attaque mercredi 28 mars 2018 là, ça la cause gros tension dans six pays Brésil côté ancien président a continué campagne en suivant. Plusieurs machines groupe électoral ancien président brésilien attaqué par balle tout près ville Curitiba après constat, policiers joignent Macbal sous deux bus qui t'a transporté plusieurs journalistes à qu'évité. Côté au fait qu'on est pas gain blessé. Seulement président parti travailleur qui fait qu'on est les subit une tentative criminelle. Jair Bolsonaro qui c'est principal rival Lula traité comme bandit et puis profiter féliciter manifestants yo qui t'ai voyé dimanche dernier sous groupe électoral ancien président Lula. Dilma Rousseff qui t'ai destitué dans l'année 2016 passée pour faute dans compte public yo fait qu'on est les craintes pour pas gain sang couler pendant période campagne électorale là. La presse nord-coréenne et chinoise confirmé mardi 27 mars la visite dirigeant nord-coréen Kim Jong-un dans pays la Chine. D'après média yo, Kim Jong-un t'a bail Jinping assurance l'a engagé pour retirer pays dans affaires nucléaires en suivant. Plusieurs agences presse chinois et nord-coréens confirmé rencontre président nord-coréen Kim Jong-un et tokay chinois Li Xi Jinping dans ville Pékin en Chine. C'est le premier voyage officiel leader nord-coréen dans un pays étranger depuis le sous-pouvoir dans l'année 2011. L'image que vous avez tournée entre samedi 24 là, arrivé mercredi 28 mars. C'est preuve que vous avez accueilli Kim Jong-un tant que tout l'autre chef d'État, mais en privé. Kim Jong-un est accompagné avec Madame Lee dans un train spécial. Vous avez droit à une cérémonie solennelle et un banquet. D'après les médias chinois, Kim Jong-un a bail Xi Jinping assurance l'a engagé dans la dénucléarisation. Pour un pile analyse, rencontre ça servi comme une préparation pour le prochain sommet Corée du Nord et États-Unis qui toujours kembe pour fin mois mai. Autant bral réduit délégation permanente russe là à yon trentaine moun, yon déclaration secrétaire général OTAN Jens Stoltenberg fait mardi 27 mars là, position ça adoptée suite à Xafé Skripal là en suivant. Après Royaume-Uni, Union européenne, c'est tout par l'OTAN pour réduire délégation permanente russe là à une trentaine moun mardi 27 mars 2018 là. Ces précisions, secrétaire général de l'OTAN Jens Stoltenberg mardi 27 mars là, trois semaines après empoisonnement ancien agent russe là Sergei Skripal avec petite Fili. Ça voyait un message clair by la Russie. Agression ça a un prix et me penser en fait la Russie était sous-estimée, unité allié l'OTAN yo. Pour Kounia, environ 27 pays annoncé expulsion plus passé 140 diplomates russes. Moldavie, Irlande, Australie et Belgique, c'est le dernier groupe pays qui prend décision ça. Pourquoi elle est là, yo tout attend réaction président russe Vladimir Poutine. Maison Blanche déclaré bon côté pas li paré pour le construire plus bon relation qui t'a ka gagner avec la Russie, mais Moscou doit comprendre gain conséquences à action déstabilisateur yo, tant que annexion la Crimée, combat bon côté séparatiste en Ukraine. N'a pas retourné la caille, première dame République la Martine Moïse, dans tête collée avec Fondation Clairé Haïti, lancé mercredi 28 mars là, yon concours pour attiser différentes catégories en Haïti. Activité ça, t'a doué clôturer dans moins j'ai cap vinila. Esaïe Aurelius à Grégory Misna a présenté yon compte rendu. Si artiste dans 10 départements pays a cap participé dans concours ça. Concours a visé encourager artistes différentes catégories et puis bayo visibilité. Sous plan national et international, papier mâché, céramique, fer découpé, peinture et travail wash, c'est ensemble catégorie. Jury a bien pour évaluer et puis sorti avec 5 gagnants d'après organisateur. Dans 5 disciplines, il y a bien 3 finalistes qui fait 15 personnes plus 5 gagnants. Mais 5 gagnants, Madame Naliban, mandat est avec l'organisation Les Arts Libres pour me responsable. Moi, c'est commissaire et concours là. Il y a toute responsabilité concours là et gagnant yo, c'est moi pour aller chercher formateur et pour accompagner à l'étranger. C'est pas juste à l'étranger. Le problème qui gagne c'est que c'est pas que nous pas gain talent, mais le plus souvent les haïtiens là non concours à l'étranger, ils gon prix, là ils rentrent le vinyle pas garder contact. Même les rentrer pas même connaître talent. Et c'est ça que les Alibes missionnent, c'est pour le faire genre d'éclairer, pour éclairer la canou pour éclairer et pour éclairer l'autre bord. Première dame République là, Martine Moïse, quoi de massa fait pour valoriser talent artiste haïtien yo. Travail pour porter changement dans la vie artiste yo, c'est une parmi divers autres soucis première dame non, selon déclaration. Le gros problème artisan nous gagne, artiste nous gagne, le gros problème de finition. Par exemple, soit ton table dans mon artiste, ou quand c'est dit l'arrivée la caillou gon pied
qui plus coûte passer l'autre là. Donc artiste yo faut yo ka travay pou ka standardize travay yo pour que ça n'a fait nous pas faire seulement pour Haïti, nous faire pour nous ka voyer venant à l'étranger et que devise ka entrer dans pays ya. Donc formulaire yo n'a joine yo parce que c'est tout artiste à travers pays ya qui invité. Formulaire yo n'a joine yo dans délégation yo et dans direction départementale ministère et éducation. Parce que nous dit que nous avons même pour la vie meilleure, mais qu'il faut nous commencer à mettre des outils dans mes artistes, des outils dans mes artisans, la vie meilleure pour commencer à joindre. Haïti éclairé aujourd'hui, la vie meilleure demain, c'est le thème qui choisit pour le déroulement concours. Gagnant, a besoin de récompenses, tant que l'argent et puis formation pour rendre plus performant. Mais pour nous développer pour dans le journal Astroya, président de la République là, Jovenel Moïse, installé mercredi 28 mars là, comité pilotage avec secrétariat technique pour organiser état général sectoriel nation 1. Comité ça a gagné 6 mois pour remettre travail. 54 arrestations, 8 machines avec 3 motos confisquées, 10 armes saisies avec 20 kilos marijuana. C'est bilan, opération la police réalisée. Sauti 15 février pour arriver journée jodia, selon porte-parole en après PNH là, inspecteur Gary Desrosiers. Journalistio marché en silence dans la rue Port-au-Prince, mercredi 28 mars là, pour mander limier sous disparition journaliste photographe Vladimir Le Gagneur. Yon marche qui était commencé sous place Constitution 1 pour Albout devant paquet Port-au-Prince. Première dame République Lamartine Moïse en tête collée avec Fondation Clairé Haïti lancé mercredi 28 mars là un concours pour artistes différentes catégories en Haïti. Actualité à Piloin Lacaille, environ 4000 militaires accompagnés 500 policiers l'ouvrit mercredi 28 mars là une opération pour tabli sécurité dans Rio au pays Brésil. C'est là nous mettons fin dans le journal là, toute équipe là était content avec vous. Pour nous protéger dans ça pour vous, je souhaite tout le monde passer une bonne nuit et déjà une bonne fête de Pâques.